Salut à tous! Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de tester la nouvelle Audi A3 e-tron. Alors, vous ne me verrez pas conduire la voiture, mais je peux vous assurer que j'ai aimé mes 5 minutes au volant. Audi nous propose une voiture magnifiquement bien finie. Le modèle présenté en test est la version S-Line, racée et sportive. Les sièges baquets sport en cuir noir sont super enveloppants, mais légèrement durs, habituels dans les voitures allemandes. À l'arrière, on a assez de place pour s'asseoir, du moins pour le 1,80 m que je fais. À l'avant et à l'arrière, un accoudoir central est ajouté adéquatement à bonne hauteur. Le toucher des matières est agréable. Comme je le disais, l'intérieur est très élégant et l'écran rétractable est de très bonne qualité et les boutons pas trop nombreux et accessibles. Question tenue de route, la A3 e-tron reste une Audi fidèle, même si le Quattro n'a pas pu être intégré à ce modèle hybride, sans doute du fait de manque de place. L'autonomie en mode électrique est annoncée entre 40 et 50 km, ce qui est pas mal. L'espace du coffre est évidemment réduit, comme dans tous les modèles 3 d'Audi. Et malheureusement, on n'a pas de roue de secours. Paraît-il, c'est pareil chez les concurrents, faute de place. Au final, je suis très positif sur cette voiture. À conseiller pour les couples sans enfants qui occasionnellement partent en vacances en voiture. Alors pour finir, je vous propose quelques images de la bête. J'espère que cette vidéo vous aura plu, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager avec un maximum d'amis et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Merci à vous !